être encore plus prudent, vigilant, en tout cas en cette période, en ce tour de salariés dans les entreprises qui ont été longtemps en télétravail, grâce à ça, pour également, bien entendu, et des millions d'enfants et de familles sont concernés dans les établissements scolaires, vous l'avez, les brassages sont au quotidien, la rentrée a eu lieu il y a quelques jours seulement. Le phénomène de fermeture de classe est difficile à évaluer, c'est pas le moment de faire d'ores et déjà un bilan, mais c'est quand même assez marquant, Noémie Gonin, les informations qu'on a depuis quelques jours. Comme un air de déjà-vu ici ou là, 45 classes fermées rien qu'à Marseille, 2 à Cherbourg, 1 à Saint-Etienne ou à Limoges, 16 dans le Vaucluse, 2 en Mayenne ou dans le Gard. Les remontées locales évoluent à la vitesse de l'éclair, mais le ministère de l'Éducation nationale ne veut pas encore donner de bilan global. Le nombre de classes fermées est infime, bien sûr, comparé aux plus de 291 000 classes de primaire.